collection en fait. Et donc là au départ, c'est les chaises de Stark. Et on enfilait des sortes de petits patins comme ça pour être sur le plastique avec les mots. Et en fait, c'était aussi l'idée que toutes les fois où on marche dans un territoire, on s'imprègne de ce territoire, qu'on le veuille ou non, quoi. Voilà, oh, je ne vais pas vous montrer tout le travail, ça ferait beaucoup. Et donc j'ai créé des discussions autour des mots qui étaient dans le sol. Et en fait, c'est ce que j'ai développé autrement aux Nuits Blanches, avec des mots qui étaient projetés sur toutes les berges de la Seine. Ah oui? C'est pas... Oui? J'ai pas assisté. Et qui étaient discutés aussi sur un plateau au Palais de Tokyo, avec un comité scientifique qui parlait des mots. Et qui était interviewé par France Culture, par l'émission Mauvais Genre. Voilà. Donc ça, c'est... Ah oui, ça, c'est une pièce importante pour moi, c'est le portrait de mon époque. Et en fait, c'était pour une biennale, j'avais refait faire des miroirs qui parlent de l'opulence, en fait, des marchands de Venise. Et j'ai fait faire des réserves en verre à l'intérieur, dans lequel il y a de... La première, c'est du sang. La deuxième, c'est de l'eau polluée. La troisième, c'est des paillettes. Puis là, du pétrole. Et ensuite, de l'or. Voilà. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes familier bien avec mes. C'est ce qu'on voit dans la vidéo, en fait. C'est ce truc avec la robe de Paco Rabanne, par exemple. Vous pensez que c'est assez facile pour obtenir la vidéo? Ah ben, il suffit que je l'accepte. Voilà. Super. Ça, c'est une hybridation justement avec Agatha Ruiz de la Prada qui me l'a demandé, mais ça, c'est un proof, c'est un petit truc. J'ai fait une très grande photo d'elle et puis de ses vêtements. Et ensuite, j'ai fait un mélange avec elle et moi. Voilà. Et en regardant le truc de ses vêtements, c'est vraiment son visage. Oui, j'ai vu, mais ça, c'est les œuvres à partir de George Catlin, le peintre américain qui est allé peindre les Indiens avant qu'ils disparaissent. Et donc moi, j'ai gardé toute la matière, la couleur, la touche, la toile, parce que pour moi, c'est des hybridations entre deux civilisations, bien sûr, mais aussi entre deux pratiques artistiques. Donc là, entre la peinture et la photo digitale. Oui, là, c'est... c'est privé, donc là, je m'en fous, c'est dégueulasse. C'est la salle de bain, là, c'est C'est le marron. dressing. C'est marron. C'est plein de vêtements. Oui, j'aime beaucoup les vêtements. Je vais peut-être prendre celui-ci pour... vendredi. Ah, moi, je vais prendre celui-ci. J'aime bien celui-ci. Ah, j'adore. Il vient de Venise. C'est vrai, le tissu est déjà comme ça. Vous avez... la peinture. Ah non, j'ai acheté la pièce comme ça à Ah Louise, oui. mais. Donc voilà, ça, The Life is a Killer, c'est une pièce de John Giorno. J'ai juste vu un documentaire qui s'appelle Art of Killing. Vous avez Qui, quoi? Art of Killing, vous avez entendu parler de cette. Non. C'est